merci d'être venu. Alors, comme vous savez, de par vos enfants, donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout un livre avec toute une histoire. C'est Annie, qui s'appelle son nom de scène, qui va vous raconter l'histoire, qu'elle a d'ailleurs réécrite pour être racontée. Et alors, dans l'histoire, il y aura les interventions des élèves, des duos, trios, quatuors, quintettes. Alors, elles ont fait de leur mieux. Elles sont toutes stressées, le prof aussi. Et, et donc, voilà. J'espère que vous allez apprécier le spectacle. En Irlande, une grande forêt, des chênes, des hêtres, des bouleaux, des noisetiers. Le sol était couvert de mousse. Dans les taillis vivait tout un peuple de chevreuils, de renards, blaireaux, lapins, campagnols. Le long des troncs montaient et descendaient des petits écureuils gris. Dans le feuillage, pinsons, rossignols, moineaux avaient fait leur nid. Et tout là-haut planaient les grands aigles majestueux. Thank you.
jeune femme. Elle est grande, mince, son pas léger effleure à peine le sol. C'est Flidis, la déesse de la forêt. Tout en marchant, elle redresse ici la hampe d'une fleur, là, elle répare une branche cassée. Quand elle marche ainsi dans la forêt, tous les animaux viennent et lui font escorte. Arrive un renard, il boite. Flidis, la chienne du fermier, elle m'a mordu. Oh, viens, voilà. Par ma bénédiction, je te guéris. Va. Un petit campagnol se traîne à ses pieds. Eh bien, mon ami, que t'est-il arrivé? Mais je courais, il y avait la belette et j'ai pas vu et je suis tombée dans les ronces. Allons, voilà, c'est fini. Va. Et ainsi, d'un geste ou d'une parole, Flidis répare et guérit tous les êtres vivants de la forêt. Tuan, le roi des cerfs, c'est un animal grand, puissant, rapide. On dit même que c'est le plus rapide de tous les cerfs d'Irlande. Son immense ramure lui assure le respect de tous. Et il ne viendrait à l'idée de personne de contester sa royauté. Thank you.
remercier, Flidis, de veiller sur la forêt. Tuan lui a offert du lait de ses biches pour nourrir ses deux filles, Fand et Liban. Les enfants ont grandi. Ce sont à présent deux belles jeunes filles. Et les voici dans la forêt. Liban, grande et mince comme sa mère, marche en dansant, en chantant. Les oiseaux au-dessus de sa tête l'accompagnent de leur chant. Elle s'agenouille dans la mousse. Fand, qui marche devant, s'arrête et la regarde. Mais qu'est-ce que tu fais? Liban, viens! Prenne pas! Mais attends, regarde, la belette, elle est blessée. Oh, qu'est-ce que vous m'énervez, mère et toi, à vous préoccuper toujours du moindre vermisseau dans cette forêt? Mais laisse-la donc, elle n'a pas besoin de toi. Mais Liban n'écoute pas sa sœur. Comme sa mère, elle utilise ses dons pour veiller au bien-être de tous les êtres vivants de la forêt.
a fait sa demeure au fond d'un lac, au plus profond de la forêt, là où poussent les plus vieux arbres et où leurs troncs énormes et leurs branches tortueuses et enchevêtrées empêchent les rayons du soleil d'éclairer la surface de l'eau. Là, pas un animal ne vit, pas un oiseau n'a fait son nid. Parfois, un chevreuil ou un renard, poursuivi par un chasseur, arrive au bord du lac. Alors, fin de l'appel. Viens, mais viens donc, tu seras en sécurité ici. Allez, viens. L'animal s'approche et jamais on ne l'a vu. Thank you.
Sa mère ne le voit pas rentrer. Tuan, notre enfant n'est pas rentré. Sûrement, c'est Fand. Elle l'a emmené avec elle dans le lac. Nous ne le reverrons jamais. Mon enfant, que vas-tu devenir? S'approche de sa compagne. Ne t'inquiète donc pas. Nous allons trouver Phyllidis et c'est sûr, elle pourra nous aider. Viens, aie confiance. Mais Phyllidis les écoute avec attention et mes amis. Je suis désolée, il n'est pas en mon pouvoir d'obliger Fand à vous rendre votre enfant. Mais il existe une possibilité, il faut la faire sortir du lac. Alors, je pourrai appeler votre enfant et le ramener auprès de vous. Oui, mais comment la faire sortir? Il n'y a qu'un moyen. Il vous faut trouver le harpeur capable de jouer la musique la plus douce et la plus suave qui soit. Alors, Fand sortira de vous. C'est pour vous la seule possibilité de revoir un jour votre enfant. Thank you.
lendemain matin, des bruits de galopades et des cris envahissent la forêt. Une troupe de chasseurs à cheval, c'est Fionn et c'est Fianna. Ce sont des guerriers légendaires en Irlande. Quelque chose sur la colline en face. C'est Tuan. Aussitôt, la troupe se lance au galop. Tuan ne bouge pas. Il les attend. Quand ils sont suffisamment proches, il part. Il galope, les attend un peu plus loin. Et ainsi, toute la journée, il va les conduire à travers forêts, plaines, collines, clairières. Le soir, il s'arrête au bord du lac mystérieux et fait face à la troupe. Fionn brandit sa lance vers lui. « Attends, ne me tue pas. » « Mais d'où vient que tu parles comme un homme ?» Et qui es-tu? Je suis Tuan, le roi des cerfs. Mais j'étais un homme et je prendrai encore bien des formes avant de redevenir un jour un homme et de pouvoir raconter toute l'histoire de l'Irlande. Mais pour l'instant, j'ai besoin de toi et des tiens.
Mon fils est prisonnier d'une enchanteresse là, au fond du lac. Et seule la plus suave des musiques de harpe pourra le sauver et nous le rendre. Un homme descend de cheval, sa harpe sur le dos. C'est Dara, le chef des harpeurs des Fianna. Il dénoue son instrument et joue. Les ombres du soir caressent la surface de l'eau, mais Fand reste invisible. Alors, un autre homme sort de la troupe, c'est Croder, le chef des harpeurs des fées. Sa musique, dit-on, est magique. Elle a le pouvoir d'entraîner ses auditeurs très loin dans le temps
et dans l'espace. Non. Non, c'est pour ça que on va pas vous la jouer. On tient à vous garder avec nous. Mais Croder joue. Et Fand reste invisible. La brise du soir agite les branches des arbres. Du groupe. C'est presque encore un enfant. C'est Suamar, le plus jeune de tous les élèves de Dara. C'est le plus jeune, mais on dit que déjà sa musique est aussi douce et aussi claire que le chant de l'alouette dans la lumière du matin. On dit que quand il joue pour l'écouter, les oiseaux s'arrête de chanter. On dit même que le vent s'arrête de souffler. Thank you.
agitent la surface de l'eau. Fand apparaît, son visage blafard, couleur de lune, ses grands yeux verts, aussi sombres que les eaux du lac. Chacun la regarde immobile. Elle regarde vers le harpeur. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Suamar continue de jouer. Alors, l'enchanteresse avance dans l'eau, sort du lac, s'avance auprès du harpeur et reste là, comme ensorcelée à son tour. Derrière elle, Flidissa appelle le jeune Fan. Des profondeurs du lac, il l'entend, il la rejoint en courant. Alors, Suamar s'arrête de jouer. Fand, lentement, retourne dans les profondeurs de l'eau. Tuan s'approche de Fionn. Aujourd'hui, tu m'as aidé. Tu as sauvé mon enfant. Et je t'en remercie, mais qu'est-ce qui m'assure que demain, quand il sera devenu adulte, il ne sera pas victime d'un de tes traits, les tiens ou ceux des tiens. Quand sera venu pour toi le temps de raconter l'histoire de l'Irlande, si tu me fais serment aujourd'hui de ne pas oublier de parler de Fionn et des Fianna, alors moi, je te fais le serment que jamais aucun des tiens n'aura à souffrir d'aucun des miens. Et il en fut ainsi jusqu'à ce qu'un jour, Tuan, vieillissant, devienne un saumon d'argent, devienne le roi des saumons et parte par les rivières et les mers d'Irlande.